Non, je crois tant que là-haut. Thank you.
Champions. Les supermarchés champions des prix discount tous les jours, toute l'année. Champions, partenaire du maillot à poids, maillot du meilleur grimpeur. Difficile de battre un champion et c'est vrai que le maillot blanc, poids rouge est solidement accroché sur les épaules de Richard Viron qui a un total de 224. A bien envie de ramener le maillot jaune. C'est les ça devait arriver un jour avec c'est maintenant 10 ans que le Réunionnais partenaire du maillot jaune. Vous retrouvez chaque jour le mais également les casquettes jaunes de Challenge International par équipe. L'informatique du Tour de France est complètement suivie. Elle a bien suivi également le temps qui était tout à l'heure.
à 8 minutes, s'est rapproché à 6 minutes 38 et n'est plus maintenant qu'à 6 minutes et 10 secondes. C'est un plus pour celle de la manière de se restaurer. Alors, c'est un duel. C'est bon pour être bien. Depuis près de 20 ans et numéro 1 en Europe, le transport convenu. Nous sommes les connaisseurs en matière de cyclisme sont toujours exigeants. C'est vrai, est-ce que tant depuis 1991, dans une ambiance conviviale, c'est le fait à chaque jour à l'ensemble des invités du Tour de France, à but final. Brésil et l'or, les trois variétés de Maison du Cœur. Et astucieux pour tous dans le critérium du Dauphiné libéré, alors que les coureurs sont à 25 km de l'arrivée. Pour les spectateurs qui doivent. Compte beaucoup sur Luttenberger, qui compte également sur Claudio Capucci. Eh bien, c'est l'homme des championnats nationaux, Massimo Tonenzana, deux fois champion d'Italie, qui va donc être le vainqueur de l'étape de Villeneuve-sur-Lot et recevoir le salut du public de Villeneuve-de-Belin. Massimo Tonenzana, vainqueur de cette étape de double champion d'Italie, qui se pose dans une étape couverte carrément à 45 de moyenne horaire, 44, et donc un doublé italien. Derrière, nous attendons donc l'arrivée de Michele Bartoli à la lutte, troisième. Michele Bartoli, quant à lui, prend la quatrième place. Et en cinquième position, le corps normand de l'équipe GAN, qui est en train de disputer son 10e Tour de France. Il va prendre la cinquième place. C'est François Lemarchand, l'un des meilleurs équipiers du peloton international. C'est vrai qu'il a passé toute sa carrière au service de ses leaders et il obtient aujourd'hui une bonne cinquième place, même s'il espérait mieux le premier chanceux de ce final. Et bien, Nick Stephens à la sixième place avec un retard que, avant d'entamer donc les derniers 100 mètres de cette étape. Ici, il est passé en 1987, c'est-à-dire que Massimo Tonenzana de 166 points est le quatrième étape du loto avec André Schmidt qui est vraisemblablement aux premières places. Nous sommes un petit peu masqués. Nous allons découvrir donc les coureurs dans les derniers hectomètres maintenant pour le sprint du peloton lancé de très très loin. Un peloton qui prend toute la largeur de la route maintenant avec, on y voit donc Jean-Claude Colletti, pas mal du tout, Mongassa qui essaie de remonter à tout pied là également, à tout Jeparov, Frédéric Mongassa, Mongassa, Bernardo Zarel, le premier Mongassa, Bernardo Zarel, et à tout Jeparov, on a découvert les coureurs dans les 20 derniers mètres, mais Frédéric Mongassa, pour donc prendre quelques points dans ce ce sprint qui avait été lancé par Jamaludine, Abdou Jafarov et Mokassa sur la droite de la route. Remonte donc l'Italien Fabio Bagnato et Isabel. Rejoignons maintenant le podium protocolaire avant de revenir bien sûr sur cette ligne d'arrivée. Oh.
dans cette étape longue de 961. Et le voilà à Villeneuve-sur-Lot. Victoire italienne avec Massimo Podenzana, le double champion d'Italie, ancien maillot rose du Giro, félicité par les hôtesses Coca-Cola. L'ovation du public de Villeneuve-sur-Lot à Massimo Podenzana. Massimo Podenzana, félicité par monsieur Jean-Louis Gilles, président du conseil général Lot et Garonne. Ah, il est heureux, Massimo Podenzana, dans cette équipe Carrera Jean. Eh bien, on visait la victoire de 45-44, 961 et journée italienne. Donc, dans cette étape, entre le porteur du maillot jaune de premier au classement général, voilà le champion danois qui conserve donc, puisqu'il n'y a pas de modification au classement général, le maillot jaune parrainé par le Crédit Lyonnais. Bien, Doris, félicité par monsieur Michel Gonel. Danemark, qui aime le Tour de France, il ne l'a jamais caché lorsqu'il a commencé sa carrière de coureur cycliste. Et l'équipe Télécom qui a fait impression depuis le départ. C'est vrai que l'on a eu régulièrement l'occasion de vanter les mérites de Bjarne Riis, mais ceux également d'Eric Zabel ou encore du jeune 4e place. Voilà, deux maillots donc vont être remis maintenant pour le maillot vert donc du classement par points parrainé par le PMU. Bien là, il n'y a pas de changement, même si Eric Zabel s'est incliné au sprint face à Frédéric Moncassin, le sprinter allemand de l'équipe Télécom. Contre Eric Zabel de l'équipe Télécom, le voilà, double vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France 1996, comme il fut également Eric Zabel. Et on retrouve également M. Jean-Claude Vacher, préfet de Lot-et-Garonne, accompagné de M. Jacques Narcy, responsable commercial régional du PMU. Voilà, entre les deux hommes pour le maillot vert, parrainé par le PMU. Accueilli un Danois, Bjarne Riis, un Français maintenant, puisque nous allons retrouver le meilleur grimpeur, Richard Virenque. Voilà le camp de l'équipe Festina. Richard Virenque qui va recevoir un nouveau maillot blanc, poids rouge, de meilleur grimpeur, maillot parrainé par les supermarchés champions. Avec monsieur Raymond Legendre, premier adjoint au maire de Villeneuve-sur-Lot, et également eh bien, monsieur Le Nindre, directeur régional du supermarché champion du Nord. Voilà, donc ces deux personnalités ont adressé leurs félicitations à Richard les Champs-Élysées dans 6 jours, mais aussi l'ambition de se rapprocher au classement général. Et pour cela, il reçoit vos encouragements, Richard Virenque. Le profil de l'étape de demain, puisque nous serons à Lourdes-Atacame, où évidemment les grimpeurs devraient se distinguer, catégorie à laquelle il appartient, puisque pour la 3e année consécutive, il porte le maillot blanc. Qui surveillerez-vous en particulier demain? Je serai aux avant-postes et je verrai ce qui s'est bien. J'essaierai de suivre le rythme du plus fort. Richard, on ne fait pas la grande salle là, aujourd'hui.
travail de jeune burkinabé. Tous les jours, au village départ, sur le Tour de France, là, vous faites des démonstrations de 30 minutes, c'est ça, avec les amis. C'est un autre sport, mais ça étonne beaucoup. Il y a même des cyclistes qui nous aident sauter sans entendre. Et dans cette étape, donc, il était parti pratiquement dès le départ, il avait rejoint un coureur nordiste qui s'appelait Jeffrey, qui m'a dit à Jean. Et là, voilà le peloton, vous allez voir comment Koblet le regard droit, la tenue bien en l'or, en bout des kilomètres. Francis. Alors président. Alors président. Ça va? En train de filmer les. Ah ouais. Les restes. Dis donc, ils ont du travail. Alors président, ils ont du travail. T'as été servi? Ouais, ouais, ouais. Tu sais qu'on était bien placés nous sur la maison médicale. On oui, a ah eu, ben, oui. On a eu. On a invité. C'était vachement sympa parce qu'on était une quinzaine de personnes. Et même il y avait des gens, on avait mis la télé à l'extérieur, tu vois, on était vachement. On a vu l'arrivée à peine, etc. Ouais. Sauf que l'arrivée ici, ben, c'est un peu rapide, évidemment, on les voit tous passer d'un seul coup. Ouais. Mais ils ont du boulot à nettoyer là maintenant. Hein.